Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Horizon Zero Dawn. Donc, excusez-moi, j'ai alors ce n'est plus un paria. Ça devrait aller, ça devrait aller. Donc, nous allons aller. Nous devons, alors, dans le cadre, c'est notre quête principale, je crois, rejoindre la dernière position connue de Sona. Sur la route, on pourrait faire ça. Et ensuite, on remontera à faire ça. Et on va aller jeter un petit coup d'œil à ces bâtiments. Donc, vu qu'on a ça sur la route, quand même, je pense que je vais plutôt activer cette quête. Sachant qu'on a quoi d'autre déjà ça, faudra qu'on y jette un œil. Quoique, on n'est pas très loin, donc on pourrait prendre ça. Parce qu'on a ces deux-là. Revenir comme ça et comme ça. Ouais, ce serait mieux. Donc, on va faire ça. Donc, on va en profiter d'ailleurs pour faire le plein sur la route. Voilà, voilà. Alors, vous l'entendez pas, mais j'ai le chat qui hurle à la mort dans la chambre. Parce qu'il aime bien mon kikinet quand je suis en train d'enregistrer. Là 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 là. Je jure celui-là. Bon. Hop hop hop, c'était quoi ce bruit? Bon, ça a l'air d'être bon. On va suivre à peu près les marqueurs de quête en gardant un œil quand même sur le fait de ramasser. J'aime pas trop non plus perdre du temps à tout ramasser, mais je pense que c'est quand même une bonne chose. J'aime bien avoir... Je fais des réserves. Voilà, des bonnes réserves. J'aime bien parce qu'elle le dit elle-même. On fait des réserves, oui. Là c'est le cas de le dire, on a quand même 800... Encore un signal. Canne de rivage. Encore un signal apparemment. Oh, attendez. Oh. On va suivre encore. Oh, il y a un truc violet en bas là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, les débris antiques. Oh. J'ai déjà trop de choses. Alors, j'ai augmenté parce qu'on m'a dit Jayce, super let's play, tout ça, mais le son des voix des personnages est un poil faible. Oh bah j'ai bien fait de me planquer moi. Là, on a un galopeur, mais là-bas c'est quoi? C'est... Oh c'est juste une charognière. Ah ouais non mais c'est gavé en fait dans les environs. D'accord. Voir pour un petit ratage. Et donc je pourrais le grimper. Ouais mais j'ai pas trop envie en fait. Ouais plutôt je pense Ah j'aurais pu le buter l'autre en fait, je suis con. T'as vu pourtant. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Il faudra qu'on aille explorer un petit peu ces ruines. Ça aurait été pas mal qu'on garde la lance sur notre personnage. Oh, un pack de déplacement rapide. Ça c'est cool. J'aurais pu utiliser ça, remarquez. Pour Ah mais il a tué des bandits lui. Patience, patience. D'où vient ta pointe, à qui sait attendre? Ouais ça je veux bien mais... J'ai eu la légère impression qu'il avait tué des bandits qui n'avaient pas été tués. Un sentier de braves. Il doit y avoir une cachette de Soul Reaver. Ah bah c'est là-haut. Alors, comment je fais pour grimper? Probablement avec la corde. Pour ça, il va falloir faire le tour, je pense. Oh, qu'est-ce qu'on a là-bas? Des brouteurs. Qu'ils vont pas me voir. Ça devrait se passer. Ouais, ça m'aide pas à... Ah bah si, je suis con, c'est là. Wow. J'adore le système de grimper. C'est vraiment cool. Voilà. Comment je fais pour grimper là-haut, moi? Légèrement l'impression que je peux pas. Vous savez quoi? Cette cage de ravitaillement, je pourrais pas la faire tomber, non? A priori non. Non.
Ça ne m'aide pas du tout. Ça, ça passe pas. Ça paraît logique que si, pourtant, non? Je peux pas le péter, ce truc, j'imagine. Ce serait un peu couillon, mais... Je peux rien scanner qui va m'aider. Ah bah si. Suffisait de sauter correctement, Jayce. Mais j'avais un peu peur de tomber en bas, c'est pour ça. Pas de Soul Reaver. Juste une poignée d'éclats. Ok, alors, l'autre destination était par là-bas. Donc il va falloir qu'on retraverse tout ça, qu'on retraverse la rivière. Et qu'on relonge la zone de chasse. Bon, bah c'est parti alors, hein. Le truc c'est que dans le tas là, il n'y a pas que des brouteurs. Oula, j'ai disparu. Heureusement qu'on sait nager. Bon, je vais essayer d'éviter le troupeau. Pas la peine. Si je pouvais pirater cette machine. Mais où apprendre à faire ça? Ah, parce qu'on pourrait apprendre à pirater. Ça serait cool ça. Ouais, c'est des brouteurs ça aussi. Alors juste pour le fun. Reste tranquille. Explose. Boum. Oh. Qui c'est qui m'a... Oh, c'est lui. Bon, déjà, on va reprendre les flèches du chasseur. Hey. Aïe. Bon bah finalement on a tué tout le monde. Alors on va se soigner un petit peu quand même, un minimum. Bon allez, on va faire le plein du coup de loot. Du coup on en a eu combien? Je crois que d'ailleurs j'ai mon inventaire qui est plein sur certaines choses. J'aurais dû prendre un chat. Et d'ailleurs, j'ai mon inventaire qui est plein sur mes ressources. Sacoche de ressources. Il me faut de la viande riche. Mario. Bon, bah on va chasser un petit peu du coup hein, sur la route. Si je vois des bestioles, je pense à les buter. J'adore glisser comme ça dans les hautes herbes. Pas pourquoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Alors, on va juste en profiter pour vite fait refaire... Voilà. Ah merde, c'est par là. D'accord. J'essaie de garder l'œil ouvert pour trouver des petites bestioles. On va peut-être en profiter pour les... Il y a sûrement une réserve de Soul Reaver sur ce sentier de brave. Rien de leur tirer dans l'œil à eux. Par contre, ça ne peut pas empêcher de faire le plein de trucs par ici. Moi qui aime voyager léger. Non, pas vraiment le principe. Hein. Voyager léger. Ok, donc je pense qu'il va falloir grimper par ici, non? Non, il semblerait que ça soit dans les hauteurs de ce côté-là. Comment est-ce que je vais faire pour grimper là-haut?
On va essayer de voir si on peut grimper déjà par là. Voilà, ça c'est pas mal. Oh, putain, c'est pas passé loin. Oh, est-ce que tu peux grimper? Oui. Et là. Voilà. Étrange. On dirait que toutes les réserves de Soul Reaver ont été remplacées par des éclats. Merde alors. Il n'y a plus de Soul Reaver dans ces cachettes. Je dois prévenir Fia. Bon bah du coup on va pas aller prévenir Fia tout de suite, on reviendra plus tard. On va plutôt remonter ici. Par contre, je peux pas traverser directement comme ça pour y aller. Pourquoi est-ce qu'elle me fait faire le tour Là, on va essayer quand même. On voit mal de faire tout le tour. Bon, gardons un œil surtout pour de la viande riche, pour pouvoir améliorer la taille de nos sacs. Ça commence à être un peu juste. On va passer par là, vous êtes sérieux? Si. Voilà. Il y a de la viande riche là-dedans. Non, la viande osseuse. C'est toujours utile, mais très amer. Là, il fait bien sombre. Je crois que je me rapproche du signal. Oh yes. On a qu'à s'en approcher tant qu'à faire. Exactement comme Rost l'avait décrit. Le signal doit venir de sa tête. Je dois grimper là-haut. On va grimper sur un grand coup, vous êtes sérieux? C'est trop cool. J'ai trop hâte. Attendez, on va se le faire tout de suite, ça. Ah, c'est des... Ah, il y a des quêtes dédiées au grand coup, en fait. Donc, viande riche. Je vais devoir abandonner autre chose. Parfait. Donc, du coup, c'est sur les sangliers. Mais je crois que j'ai pas assez. Sacoche de ressources. Non, il m'en manque deux. Bon, approchons-nous du grand coup, si possible. Qu'est-ce qui est passé? Il est là-bas. Par contre, on va essayer de faire attention parce qu'il y a d'autres bestioles dans le coin. Appuyez R1 sur les réticules sur les traces d'un marqueur. Je garde ça pour la route. Là, on peut attendre qu'il fasse le tour. Parce qu'il est, il va passer par là, c'est peut-être pas trop la peine de s'approcher. En attendant qu'il vienne, je vais juste faire un tour, voir s'il n'y a pas... Varl a dit que la chef de Gersona était partie traquer les tueurs de l'éclosion. Ah ben oui, on n'est pas loin. Je devrais essayer de la retrouver. Parce que là, on a des veilleurs. Oh, regardez-moi ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont exactement? Point d'appui. Des points d'appui. Ils sont résistants à un truc pénétrant. Ah, je savais pas que la caméra suivait automatiquement. Alors comment faire pour grimper là-haut? Les pattes sont trop difficiles à escalader. Je dois trouver un autre moyen. Ouais, sauf qu'il y a, des veilleurs. Il va falloir que je grimpe probablement. Merde, je l'ai raté. Ah, ouais. Alors il doit passer, voilà, je devrais pouvoir en... Et concours. Je peux m'en sortir. Ouais, si on essaie de le suivre comme ça... Je crois que je peux sauter sur le grand coup d'ici. Oh yes. J'ai réussi. Maintenant je dois grimper jusqu'à sa tête. Attendez, j'en profite un peu. C'est génial. Oh excellent, attendez, ça sera encore mieux quand on sera en haut. On va essayer d'éviter de tomber. Là faut le faire quand même, grimper là-haut. Hein. Par ici maintenant. Non, c'est par là. Voilà.
Oh yeah. Je suis désolée. Ça sera pas long. Ah, c'est un scan de la zone. Donc le grand coup se souvient de tout ce qu'il croise et envoie les infos aux autres machines. D'accord, c'est une espèce de grand scanner en fait, quoi. Ah, c'est génial. Et on peut descendre en rappel en plus. Oh, on va s'éclater. Là-bas que je descends en rappel. Oh oui. Franchement, c'est énorme. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il est désactivé ou... Ça, quoi. Ah, c'est magnifique. On est niveau sup au passage. J'ai quoi? J'ai 3 points à dépenser. Je pense qu'on va aller vers gros bras pour avoir concentration améliorée. Ça m'intéresse pas mal d'avoir le troisième point ici notamment. Donc je vais déjà prendre celui-là. Voilà. Donc ça me permettra de nous déplacer plus vite avec des grosses armes. Et après j'achèterai celui-là. Et voilà. Donc rejoindre la piste. Ça tombe bien, on est juste à côté. Journal observateur, journal du transmetteur du grand coup. Orbite 4F8 initiée, cycle 8080831, demande de routage envoyée. Réponse, transmission aux agents internes, 43 sur 46 en sommeil. Ok, oh, donc c'est des espèces, on dirait comme des AWACS, je sais pas si vous connaissez. Des avions de l'armée américaine qui servent en fait à scanner, à faire radar mobile très puissant. Je peux peut-être fabriquer un peu de ça aussi au passage. De rester au max. C'est sûrement la côte dont le messager de Sona a parlé. Ok, donc faut que je grimpe là-haut maintenant. Il va probablement y avoir moyen. Bah ouais, je peux grimper comme ça. La chef de guerre s'est arrêtée là. Où est-ce qu'elle est allée ensuite? Ah. C'est énorme, j'adore. Sérieusement, quand vous pensez que quasiment tout ce qu'on voit, on peut aller les visiter. La question que je me poserais pas limite, c'est est-ce que la géographie correspond à... Ils ont dû prendre le temps de se reposer. À un lieu réel. Des fragments de flèches. Des bandages. Le messager n'était pas le seul à être blessé. Effectivement. Une piste de sang, peut-être. Je vais la scanner avec mon focus. Ah bah, il y avait juste le sang à suivre, en fait. Gardons l'œil ouvert pour les bestioles. J'ai pas rêvé, il y avait de la viande riche. Et il y a juste un truc qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que le son du jeu est encore plus élevé maintenant. Des traces. 1, 2, 1, 2. De pas et du sang. On dirait que Sona et ses braves se sont dirigés vers... En gros, ce que j'avais augmenté, c'était les dialogues. Je vais les redescendre à 80. Vous me direz quel paramétrage est le meilleur. D'accord. Tifo, vous m'avez très très mal entendu depuis le tout début de la partie, ce qui aurait été un peu dommage. Le truc, c'est que je fais des tests, mais je les fais sur l'écran d'accueil. Sur l'écran d'accueil, il n'y a que de la musique. Un peu ballot. Wow, j'ai failli me récher. Wow, on a des bestioles contrôlées par... d'autres gens par ici. Ouais, regardez-moi ça. On va se méfier un maximum. C'était quoi le truc que ça m'a dit là, crasher quelque chose? Machine corrompue. Sont plus puissantes et plus agressives que les machines ordinaires et sont de fait extrêmement dangereuses. Faiblesse au feu par contre. D'accord. Faiblesse au feu, et il a toujours juste son œil.
et faiblesse. D'accord. Qu'est-ce qu'on a envie de me les faire ces deux-là? Alors je vois qu'il y a des... J'essaie de trouver des hautes herbes. Ah, je vais essayer d'atteindre celles qui sont là. Tirer avec des flèches enflammées, vous me direz. Hein. En fait, son œil il est sensible. Voilà, là j'avais pas trop besoin de tirer dans son œil parce que de toute façon je l'avais déjà bien amoché. Ah ouais, c'est vachement plus puissant. Faut que je me méfie du coup. Bon, pour l'instant ça a l'air d'aller. Wow, c'était un peu juste. Il fait un de ces bruits quand même, l'espèce de grosse plateforme là. Ah putain, ça me fait peur à chaque fois. Un Dancy mort. De la main de Sona peut-être. Elle est sûrement tout près. Est-ce que tu vois un Dancy mort là-bas? C'est un dent de scie, ça aussi. Bon ben, la voilà. T'as de la chance que je sois passé. Une seconde de plus et ce Dancy t'aurait complètement déchiqueté. Une seconde de plus et c'était moi qui le tuais. Bien répondu. C'est toi, la chef Sona? Varl m'envoie te trouver. Il garde bien la porte? Avec courage, oui. Je l'ai même vu abattre une machine corrompue. Mais il s'inquiète pour toi. On a besoin de force, pas de sentiments. J'ai retrouvé certains des tueurs de l'éclosion. J'ai besoin de vengeance. Et toi? Tu n'as même pas idée. Prouve-le-moi. En combattant avec nous. Suis-moi. Eh ben ok. C'est parti hein. Attendez parce que j'ai les pas looté ça moi. Sont derrière cette saillie. Ils creusent le sol maudit. On va essayer de les suivre. Le péché des anciens est enfoui dans cette terre. Des démons corrupteurs. Je les connais. J'en ai eu un au guet de la mer. Si tu le dis, voyons si tu seras à la hauteur. On va aller tuer des gens du coup. On a l'air de, ça a l'air de pas trop la déranger qu'on fasse beaucoup de bruit en se déplaçant, mais c'est pas grave. Là, je les veux bien, moi. Ça fait des heures. Ah merde, que mes braves se cachent dans les arbres en contrebas. À mon signal, ils attaqueront. Oh,
c'est quoi ces lumières rouges ? Les machines démoniaques sont plus nombreux, et nous pouvons compter sur notre colère. On pourrait avoir mieux que ça. J'écoute. De la flambée. On l'utilise pour brûler, eux pour faire exploser. C'est de là que vient cette fosse. Alors on l'enflamme et ensuite... Boum. Alors c'est parti. Wow, wow. Ok. Attendez, pas trop vite. Je vais essayer d'approcher discrètement. Si jamais je me fais repérer, attaquer. D'accord. Prouve-nous ce que tu sais faire. Ok, alors je dois faire quoi ? Tuer tous les membres de la secte et les machines corrompues. Bon alors, gardons un œil. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Une charognarde. On a ensuite le prêtre fanatique. Après, vu qu'ils sont corrompus, je sais que je pourrais pas les one-shooter dans l'œil, ces mecs-là. Les humains, ça m'indique pas de faiblesse particulière. Hyper fanatique. Conteneur de flambée. Alors, on pourrait tirer là-dessus, ou sinon on pourrait s'approcher et essayer de les buter un par un. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Pardon, je t'ai fait peur. Alors si je descends... Merde. Vous êtes sérieux, j'ai vraiment attiré leur attention. Putain, je fais que 14 de dégâts. Bon, je me suis un peu chié sur le coup là alors. Je crois qu'on a averti tout le monde. Et bien entendu, eux ils attaquent pas. Détruire les conteneurs de flambée. Qui est absolument pas intelligent, je pense. Faire ce qu'on peut. Jusqu'ici tout va bien. Et on va voir. On s'attaque aux autres là. A priori ils m'ont pas spoté. On y va. Hop là. Ah. Hey, hey, hey. Ah putain. Oh le joli tir. Voilà. Bon après. Toi. En fait, ils m'ont pas du tout spoté. Je suis complètement.
caché depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il reste du coup comme ennemi? Ah bah ça y est, je dois aller parler à Sona. Bon bah malgré une introduction au combat qui a été un peu catastrophique on va dire, hein, bah ça s'est bien passé au final, hein. On a réussi à les buter. Quand même, en profiter pour looter sur la route. En gros la Sona elle est où? Elle est en bas. Oh. Il reste encore des tueurs. J'en avais compté beaucoup plus pendant le massacre. Si je dois poursuivre leur ombre perverse jusqu'à la pointe de lance, je le ferai. Tu saignes. Tu es blessé. Ma santé ne te concerne pas. Nul ne doute de ta détermination. Mais tu dois te soigner. Elle a raison, chef Sona. Laisse tes blessures se refermer. Varl, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de garder cette porte au péril de ta vie. C'est ce que j'ai fait. Jusqu'à ce que ton messager ne revienne m'expliquer sa rencontre avec Aloy et où tu te trouvais. La porte est bien protégée. Ma place est ici. Avec toi. Avec notre vengeance. Je ne l'ai pas mérité. Ce serait bien si je pouvais examiner les lieux. J'arriverais peut-être à retrouver la trace des autres tueurs. Fais ce que tu veux. C'est ce qu'ils font tous. Mère. Elle est pas très raisonnable, la maman, hein. On va éviter de tirer sur les conteneurs. C'est toujours ça de prix. Maintenant. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais nous faire un petit break ici. Rapidos. Voilà. Ah ouais, mais. Ah oui! Ah oui, ça m'a révélé une belle portion de la map quand même, en fait. D'accord. Donc, ça, c'est le camp. C'est un autre camp de bandits, je pense. Bref, donc je vais m'arrêter là pour cet épisode, je disais. Merci à tous d'avoir suivi, je vous souhaite du coup une excellente journée. Je vous dis à demain pour la suite de nos aventures avec Aloy. Salut à tous!